nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur. Et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Ah, ce oui, ce peut-il supporter? Et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui les oblige, ma sœur? Ah, mon Dieu, fille. Comment? Ah, fille, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que, dès qu'on l'entend, un tel mot offre à l'esprit de dégoûtant? Par quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vue il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot, résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir une femme, des enfants, un ménage. Et je ne vois rien là, si j'en puisse raisonner, qui blesse la pensée ou fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire? Et qu'est-ce qu'à mon âge, j'en ai de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'épouse? Une femme qui vous aime et soit aimée de vous. Et de cette union de tendresse suivie, se faire les douceurs d'une innocente vie, ce n'est bien à sorte une autre phase et pas. Laissez aux gens grossiers, aux personnes vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux. Loin d'être loi des hommes en esclave asservie. Mariez-vous, ma sœur, la philosophie qui remonte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est-il puissant, vous déférons en proie à nos fabriques naissants. Et tu t'espérais pour composer d'une étoffe qui se trouve taillée en pleine philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations ou monstres savent les spéculations, le mien est fait, ma sœur, à l'état à terre, et dont les petits soins sont faibles sœurs et sœurs. Ne troublons point de ciel et juste règlement, et de nos deux instants suivons le mouvement. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler, et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Mais vous ne seriez pas ce dont vous vous vantez, si ma main n'eût que de ses beaux côtés. Eh bien, vous prendre ma sœur, que ce noble jury n'est pas vaincu toujours la philosophie. De grâce, souffrez-moi par un peu de bonté, les bassesses à qui vous devez la clarté. Et ne supprimez point, voulant que vous cependre, quelques petits savants qui veulent venir au monde. Oh la fille! Je vois que votre esprit ne peut être guéri du folle entêtement de vous trouver une fille. Mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre? Votre visée au moins n'est pas mise à Clémentine. Et par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-elle de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non. Mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir, à une autre, enlever la conquête. Et ce n'est point du tout un fait dans le monde ignoré que Clémentine est pour moi hautement soupirée. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines. Et vous ne tombez point aux bassesses humaines. Votre esprit à l'hymène renonce pour toujours. Et la philosophie à tous vos amours. Ainsi n'en s'occupe nul à Saint-Vaux Clémentine. Que vous importe-t-il qu'on y puisse prétendre? Cet empire que tient la raison sur l'essence ne fait point renoncer aux douceurs des encens. Et l'on peut pour épouse refuser un mérite que pour adoratrice l'on veut bien à sa suite. Je n'ai pas empêché que vos perfections en aient continué ses adorations. Et je n'ai fait que prendre au refus de votre art ce qui est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Mais à l'offre des vœux d'une amante dépitée, trouvez-vous, je vous prie, entière sûreté, croyez-vous pour vos yeux sa passion bien forte, et quand son cœur pour moi toute flamme soit morte. Elle me l'a dit, ma sœur, pour moi je la crois. Ne soyez pas, ma sœur, d'une si bonne foi, et croyez, quand elle dit qu'elle me quitte et vous aime, qu'elle n'y songe pas bien, et se trompe elle-même. Je ne sais. Mais enfin, si c'est votre plaisir, elle a bien hésité de s'en éclaircir. Ah, je la fais occuper. Et sur cette matière, elle pourra nous donner une pleine lumière. Clémentine, expliquez votre cœur, découvrez en avant et nous daignez prendre qui de nous à veuve et en droit d'y prétendre. Non, non. Je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens. Et c'est comme en ma race. Le contraire.
contraignant et fort de ses aveux en face. Non, madame. Mon cœur qui dissimule peu ne sont nulle contrainte de faire un libre aveu. Et quelle nulle émotion cette vue ne vous porte, vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris et mes tendres soupirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru la conquête assez belle. J'ai souffert sous leurs joues son mépris différent. Ils régnaient sur mon âme en superbe tyran. Et je me suis cherchée, lassée de tant de peine, de vainqueurs plus humains et de moins riches. Et je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux. Et leurs traits à jamais me seront précieux. Qui vous dit, madame, que l'on ait cette envie et que de vous enfin s'y forme ce souci? Je vous trouve plaisante de vous le figurer. Et bien pertinente de me le déclarer. Et dis-moi, ma sœur, et tant qu'il est le moral, qui sait si bien régir notre partie animale et retenir l'abri des efforts du curieux. Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être. Sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême, et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. Je rends grâce aux bontés que vous me faites voir, de m'enseigner si bien les choses de devoir. Mon cœur se relaissant veut réguler sa conduite, et que vous faites voir, ma sœur, que j'en profite. Clémentine, prenez soin de puer votre amour, de la canon de ce dont j'ai reçu le genre, et... Faites-lui ce mes voeux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans crainte. J'y vais travailler hautement et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine. Et vous imaginez que cela me chagrine. Moi, ma sœur, point du tout. Je sais que ce vœu sont les doigts de la raison sont toujours très puissants. Loin de vous, ce psaume est d'aucun chagrin. Je crois que si vous donnerez vos employés pour moi, appuyez cette demande et de votre suffrage. Passez le moment de notre mariage. Je vous en sollicite. Et pour y travailler, votre petit esprit se mêle de railler. Et d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeter qu'à ce cœur, et ne vous déplaît guère. Et si vos yeux se moelent, peuvent les ramasser. Et se prendre aisément le soin de se baisser. À répondre à cela, je ne daigne descendre. Et ce sont ce discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à vue. Et vous ne faites pas de modération qu'on ne peut concevoir. Sans le congé, sans la permission. Votre sincère aveu ne l'a pas peu, ce promis. Elle mérite assez une telle franchise. Et toutes les hauteurs de sa folle fierté sont dignes tout au moins de ma sincérité. Mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père. Madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est de numéro à consentir à tu. Mais il met peu de poids aux choses qu'il reçut. C'est elle qui gouverne, d'un ton absolu. Et dès qu'on voit ce qu'elle a résolu, je voudrais bien vous voir pour ma mère et pour ma tante. Une âme, je l'ai vue, un peu plus complaisante, un esprit qui. Flattons les visions du leur. Vu plus dans leur estime attirer la chaleur. Mon cœur n'a jamais pu tromper les nez sincères. Même dans votre sœur, flatter leur caractère. Les femmes savantes ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme ait des cartes du tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Je respecte beaucoup, madame, votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère et me rendre l'écho aux choses qu'a dit, aux ensembles qu'elle donne et son héros d'esprit. Sa madame Trissotine me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime une telle femme. Ses écrits, ses discours, tout le monde semble ennuyeux, mais je me trouve assez votre gueule et vos yeux. Mais comme c'est ma mère, elle a grande puissance. Vous devez vous forcer à quelque complaisance. Oui, vous avez raison. Mais madame Trissotine m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin.
et je ne puis consentir pour gagner ces suffrages à me déshonorer en prisant ces ouvrages. Cet indolent état de conscience extrême qui la rend tout le temps si contente d'elle-même. C'est un bon et bon lieu de voir tout cela. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare ici notre mystère et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'une amante prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme. Ah, toute belle. Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, qu'entendez-vous des yeux pour vos seuls truchements? Et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui, chez moi, passent pour un outrage. Aimez-moi! Soupirez! Brûlez pour mes appâts! Mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes tant que vous vous tiendrez aux muets interprètes. Mais si la bouche vient à son vouloir mêler, pour jamais de ma vue, il vous faut exiler. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. Ah, certes. Le détour est d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faufilant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame. Et c'est un pur lieu de ce que j'ai dans la... Henriette me tient sous son aimable empire. Et les mêmes d'Henriette et le bien, j'espère. Vous, vous y pouvez beaucoup. Et tout ce que je veux, c'est que vous y daignez favoriser mes voeux. Je vois où doucement va aller la demande. Et je sais sous ce nom ce qu'il faut que j'entende. Oh, madame, à quoi bon un pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon. Cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est content du détour dans cet adroitement aviser votre amour. Et que, sous la figure où le reste le langage, on veut bien se résoudre à souffrir son dommage. Pourvu que ces transports, par l'honneur éclairé, n'offrent à mes hôtels que des vœux épurés. Mais je... Assez! Pour ce coup, ceci doit vous suffire. J'en ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur... Laissez! Je rougis maintenant et ma pudeur se fait un effort surprenant. Je veux être pendue si je vous aime. Et ça... Non. Chut! Je ne veux rien entendre davantage. Diantre soit la folle avec ses bisous. A-t-on rien vu d'égard de ses prémotions? Allons commettre un autre au soin que l'homme me donne et prenons le secours d'une sage personne. Allons charger un autre la mission qu'Henriette m'a confiée. Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt. J'appuierai, prescrirai tout ce qu'il faut. Qu'une amante ou un cœur a de choses à dire et qu'impatiemment elle veut ce qu'elle désira. Dieu vous garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous ce qui m'emmène ici? Non, mais si vous voulez, je suis prête à l'apprendre. Depuis bien longtemps, vous connaissez Clémentine. Ah, sans doute, je la vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-elle, mon frère, auprès de vous? Une femme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite. Et je vois peu de gens qui soient sans mérite. Certains désirs qu'elle a, conduit ici n'est pas. Et je me réjouis que vous en fassiez cas. Ah, je connais peu son père à mon voyage à Rome. Fort bien. C'était mon frère, un fort bon gentilhomme. On le dit. Ah, nous n'avions que 28 ans, et nous étions, ma foi, tous deux de verre galants. Je veux bien le croire. Oh, nous donnions les dames romaines, et tout le monde parlait de nos fredaines. Nous faisions déjà nous. Oh, mais voilà qui va des mieux. Mais venons au sujet qui m'emmène en ces lieux. Clémentine auprès de vous me fait son interprète.
et son cœur était pris des grâces d'Henriette. Quoi, de ma fille? Oui! Clémentine en est charmée, et je ne le vis jamais avant plus enflammée. Non, non! Je vous entends! Vous ignorez l'histoire, et la fin n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur? Clémentine abuse vos esprits, et c'est un autre objet que son cœur était pris. Vous voyez, c'est pas Henriette qu'elle aime? Non, j'en suis assurée. Elle me l'a dit elle-même. Eh oui. Et vous me voyez, ma sœur, chargée par elle d'en faire la demande à son père aujourd'hui. Fort bien. Et c'est cet amour même qui m'a fait instance de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux. On ne peut tromper plus galamment. Henriette, entre nous, est un amusement, un voile ingénieux, un prétexte, mon frère, à couvrir d'autres feux dont je sais le mystère. Et je veux bien, tous deux, vous mettre hors d'erreur. Eh bien, dites-nous, s'il vous plaît, vous qui savez tant de choses, quel est cet autre amour? Vous le voulez savoir? Oui, quoi? Moi! Vous? Moi-même. Eh, ma sœur! Qu'est-ce que donc signifie ce « et » et qu'a de surprenant le discours que je fais? En effet, d'un air, je pense à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire. Et Béatrice, Bérangère, Bernadette et bien sûr, Balthazar. Il peut bien faire voir qu'on a quelques appâts. Ces gens vous aiment? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit. Aucun n'a pris cette licence. Mais ils m'ont su révéler si fort jusqu'à ce jour qu'ils m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais, pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, les muets truchements ont tous fait leur office. On le voit presque penser en venir Béatrice. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. De mots piquants partout Bérangère vous outrage. Ce sont emportements d'une jalouse rage. Ah, qu'on n'a pas pour un cœur, qu'on n'a pas seulement un cœur. Bernadette et Balthazar ont pris femme tous deux. C'est par un désespoir que j'ai réduit leur feu. Eh bien, ma chère sœur, vision toute claire! Si Bernard, vous devez vous défaire. Ah! Chimère! Ce sont des chimères, dit-on. Chimères, moi? Vraiment, chimère est fort bon. Je me réjouis fort de chimère, mes frères. Et je ne savais pas que j'eusse des chimères. Notre sœur est folle, oui. Cela va tous les jours. Mais encore une fois, reprenons notre discours. Clémentine vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Faut-il la demander? J'y consens de bon cœur. Tiens une alliance à 5 millions d'or. Vous savez que de bien elle n'a pas l'abondance, que... Oh, c'est un intérêt qui n'a pas l'importance. Elle est riche en vertu et cela pour les trésors. Parlons à votre femme. Pour que Clémentine rejoigne la famille... Oh, il suffit. Je l'accepte pour ma belle-fille. Oui, mais pour appuyer votre consentement, il serait bien d'avoir son agrément. Vous moquez-vous? Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. Mais mon frère... Oh, laissez faire, dis-je. N'appréhendez pas. Je vais disposer aux choses de ce pas. Soit. Je vais de ce pas sonder votre Henriette et reviendrai savoir... Oh, c'est une affaire faite. Et je vais à ma femme en parler sans délai. Me voilà bien chanceuse. Hélas, lundi bien vrai, celui qu'une noyée son chien l'accuse de la rage. Les services de le tuer, ce n'est pas un héritage. Mais qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, Martine? Ce que j'ai? Oui? J'ai que l'an. On me dit aujourd'hui mon congé. Votre congé? Oui, madame chat. Oh, je n'entends pas cela. Comment? On me menace. Si je ne sors d'ici, tu me bailles. Sans coup. Oh, non. Vous demeurerez. Je suis content de vous. Et ma femme, souvent, a la tête un peu chaude. Et je ne veux pas, moi... Il m'aime. Quoi? Je vous vois, Harold? Vite, sortez, Fripon, allons quitter ces lieux.
et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Doudou? Non, c'en est fait. Mais... je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vous là, la sorte? Quoi? Vous la soutenez? Oh, en aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Oh mon Dieu, non, je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela, mais il faut de nos gens. Non, elle sortira, vous dis-je, de séance. Oh, eh bien oui, vous dites-on quelque chose à la contre? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon coup. Aussi fais-je. Oui, ma femme avait raison, vous chasse. Coquine, et votre crime est indigne de grâce. Et qu'est-ce que donc j'ai fait? Oh, ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle donné matière à votre haine? Cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Faudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses on se met en courroux? C'est-à-dire, l'affaire est donc considérable? Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable? A-t-elle laissé, d'un esprit négligent, dérober quelques aiguillères ou quelques plats d'argent? Cela ne serait rien. Oh, oh, peste la belle! L'avez-vous surpris à n'être pas fidèle? C'est pique tout cela. Oh. Mais comment pique tout cela? Pique. Oh, comment diantre, friponne, a-t-elle commis... Elle a d'une insolence à nul autre pareil. Après 30 leçons, insulter mon oreille à l'impropriété d'un mot sauvage et bas qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Bah, est-ce là... Quoi? Toujours malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grammaire qui s'est régentée jusqu'au roi, elle a fait la main haute obéir à ses lois. Le plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Oh, je n'ai garde. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite et des lois du langage ont la 100 fois instruite. Tout ce que vous prêchez est, je crois, belle et bon. Et je ne saurais pas, moi, parler de votre jargon. L'impudente. Appelez un jargon. Le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Qu'on se fait entendre, importe toujours de bien. Et tous vos bio-dictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style. Ne servent pas de rien. Oh, cervelle aussi! Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrûment? De pas, mis avec rien, tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit, trop d'une négative. Mon Dieu, je n'avons pas étudié comme vous. Et je porte doigt comme un porte-chenou. Ah, quel martyr! Quel solécisme horrible! En voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'ai qu'un singulier, avant et pluriel. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle en français grand-mère? Ni grand-père. Oh ciel! Grammaire est prise à contresens par toi et je t'ai déjà dit d'où vient ce mot. Qui viennent de Chaillot, de Pontoise, d'Auteuil, cela ne fait rien. Quelle âme villageoise! La grammaire du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif avec le substantif, nous enseigne les lois. Mon Dieu, madame, je vous à dire que je ne connais pas ces gens-là. Tenir. Ce sont les noms des mots et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble, accordés. Qu'ils s'accordent entre eux, second, qu'importe. Eh, hey, mon Dieu, finissez un discours de la sorte. Vous ne voulez pas vous la faire sortir? Si fait, à son caprice, il me faut consentir. Va, ne le ris point. Retire-toi, Martin. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi, point. Sortez. Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite?
Et bien voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait. Je me la châssis pour un maître sujet. Vous voulez que toujours je l'ai à mon service. On mettra incessamment mon oreille au supplice. Rompre toute loi d'usage de raison par un barbarama de vice de raison. Il est vrai que l'on sue à souffrir ses discours. Elle y met vos jeux-là en pièces tous les jours. Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme ou la cacophonie. Oh, qu'importe qu'elle manque aux lois de vos jeux-là, pourvu que dans la cuisine, elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'on épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes, ou redit 100 fois un bas ou méchant mot, que ne brûler ma viande ou saler trop mon pot. Je vis de bon soupe et non de bon langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage. Et Malherbe et Balzac, si savons en beaux mots, en cuisine peut-être auraient été des sots. Que ce discours grossier, terriblement assomme! Et quelle indignité pour ce qui s'appelle un être humain! Être baissé sans cesse aux soins matériels, au lieu de se hausser vers le spirituel. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance? D'un prix à mériter seulement qu'on y pense, et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oh, oui, mon corps et moi-même, et j'en veux prendre soin. Guenille, si l'on veut, ma guenille, mes chers. Le corps avec l'esprit font figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, est à le nourrir du sucre de la science. Oh, ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est une viande bien creuse à ce que chacun dit. Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Ah, sollicitude à mon oreille rude. Il pue étrangement son ancienneté. Il est vrai que le mot est bien que le monté. Oh, voulez-vous que je dise de folle en vous traite, et j'ai fort sur le cœur. Comment donc? C'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre sollicitement parlant vous irrite, et vous en faites vous d'étrange en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et or un gros plus tard que maître mes rabats. Oh, je n'aime point toutes vos phrases latines, et principalement cette madame Trisotine. C'est elle qui, dans le verre, vous a tympanisé. Tous les propos qu'elle tient sont des bilvesées. Oh, on cherche qu'elle a dit après qu'elle a parlé, et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse! Ô ciel et dame! Et de langage! Est-il de petit corps un plus lourd assemblage? Un esprit composé d'atomes plus bourgeois? Et de ce même sang, se peut-il que je sois? Je me veux mal de mort d'être de votre race. Et de confusion, j'abandonne la place! Elle voit lâcher encore quelques traits. Moi? Non. Ne parlons plus de querelle. C'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les notes diminuées. C'est une philosophe, enfin, je n'en dis rien, mais elle est bien gouvernée, vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa gadette, et je crois qu'il est bon de pouvoir, Henriette, de choisir une fille qui... C'est ça quoi j'ai songé, et... Je vais vous ouvrir l'intention que j'ai. Cette madame Trisotine... dont on vous fait un crime, et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime. Et celle que je prends pour l'épouse qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'elle vaut. La contestation ici est superflue. Et de tout point chez moi, l'affaire est résolue. Au moins, dites-moi une choix d'épouse. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite. Et je connaîtrai bien si vous l'aurez instruite. Eh bien, oh, la grande sœur, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui. Alors, quel succès? A-t-elle consenti? Aurons-nous Henriette? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Bah, non. Est-ce qu'elle balance? De toute façon.
Quoi donc? C'est que pour belle fille, elle m'offre une autre femme. Une autre femme? Une autre... Qui se nomme? Madame Trisotti. Quoi? Cette madame... Ah! Trisotti? Oui, qui parle toujours en phrase latine. Vous l'avez accepté? Moi? Point, à Dieu ne plaise. Qu'est-ce que vous avez dit? Rien. Et je suis bien aise de n'avoir pas parlé, pour ne m'engager pas. La raison est bien belle. Et c'est faire un grand pas. Avez-vous su du moins lui proposer Clémentine? Non, car comme j'ai vu qu'on parlait d'autres femmes, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point honte avec votre mollesse? Oh, mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise. Vous ne savez pas comme le prix me pèse. J'aime fort le repos, la paix, la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom du philosophe, elle fait grand mystère. Mais elle en est pour cela moins colère. Elle me fait trembler. Dès qu'elle prend son temps, je ne sais où me mettre. Et c'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute cette diablerie, il faut que je l'appelle mon cœur et mamie. Allez, c'est se moquer. Votre femme, entre nous, est par vos lâchetés souveraine sur vous. Son pouvoir ne se vante que sur votre faiblesse, et c'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ses hauteurs, vous vous abandonnez et vous laissez entraîner en bête par le nez. Allez, encore un coup. C'est une moquerie, et votre lâcheté mérite qu'on en rit. Oui, vous avez raison. Et je vois que j'ai tort. Il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. De ma douceur, elle a trop profité. Sans doute. Trop joui de ma facilité. Il est vrai. Et je veux lui faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille et que j'en suis le maître. Pour prendre une femme qui soit selon mes voeux. Ah, vous voilà raisonnable. Et comme je vous veux. Vous êtes pour Clémentine et savez sa demeure. Faites-la venir, mon frère, à tout à l'heure. J'y vais tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Et je m'en vais être homme à la barbe des gens. Mettons-nous ici pour écouter à l'aise. Ces vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse. De les voir. Et on s'en meurt chez nous. C'est son charme pour moi, qu'est-ce qui part de vous? C'est une douceur à l'autre pareil. Son repas friand qu'on donne à mon oreille. Faites point languir de si près son désir. Dépêchez. Faites tôt et hâtez vos plaisirs. Votre impatience, souffrez votre épigramme. Hélas! Est-ce que l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De vos chutes ignorantes, ne voyez-vous pas les causes? Et qu'elles viennent d'avoir, du point fixe écarté, ce que nous appelons centre de gravité? Je m'en suis aperçue, madame. Est en partage. Les lourdaudes! Viennent près de ne pas.
de verre. Ah, de l'esprit partout. Cela ne t'arrive pas. Servez-nous promptement votre aimable repas. Vos sept grands fins qu'à mes yeux en expose. Un plat seul de 8 verres me semble peu de choses. Et je pense qu'ici, je ne ferais pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel attique, assaisonné partout. Et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Je n'en doute point. Ton envie d'audience. Je sentais mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement. Surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, elle ne pourra rien dire. Silence, ma nièce! Sonnez à la princesse Uranie, sœur Safièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Le joli début. Elle a des tours galants. Elle seule des verrasées possède le talent. La prudence endormie, il faut rendre les armes. Bon, je suis un ennemi à prendre moi, plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbe votre plus cruel ennemi. Plus dans son ennemi. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Aux 50 grottes! Au Salomon! Attaque votre belle vie. Toute douce, laissez-moi de grâce. Respirez. Tenez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent assez vert. Jusqu'au fond de l'âme, couler je ne sais quoi, qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement, elle a joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit est un goût admirable. C'est à mon sentiment un endroit impayable. Le quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien comme moi la finesse? Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre en prenne ici les intérêts. N'ayez aucun égard. Moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Ce quoi qu'on dit, on dit beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'elle en dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit et pensez-vous alors y mettre tout l'esprit? J'ai fort aussi cette ingrate dans la tête, cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens, qui la loge chez eux. Enfin, les quatre uns sont admirables, tous deux. Venons reprendre de moitié sèche, je vous prie. Ah, s'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites la sortir, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Riche appartement? Vous êtes ingrat.
conduisez au pont. Sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. Mon âme, on se meurt de plaisir. De mille doux frissons, vous vous sentez saisir. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains, là. Noyez-la dans les bains. Chaque pas dans le verre rencontre un trait charmant. Partout on s'y promène, avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. C'est son petit chemin, tout parsemé de roses. Le sonnet, donc, vous semble admirable. Oh, nouveau. Et personne, jamais, n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture, vous faites là, ma nièce, une étrange figure. Chacune fait était pas la figure qu'un peu ma tante. Et bel esprit, elle ne le perturbe. Peut-être que mes vers importunent, madame. Point, je n'accuse pas. Oh. Voyons l'épigramme. Sarine carrosse de couleur amarante, donnée à une dame de ses amis. Ces titres ont toujours quelque chose de rare. Sans beau trait d'esprit, leur nouveauté prépare. La mort si chèrement m'a vendu son bien. Qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse où ton d'or se relève en bosse, qu'il est en tout le pays et fait pompeusement triompher ma laïque. Ma laïque. En voilà de l'érudition. Ton œuf est joli et vaut un million. Et quand tu vois ce beau carrosse où ton d'or se relève en bosse, qu'il est en tout le pays et fait pompeusement triompher ma laïque. Ne dis plus qu'il est amarante, dis plutôt qu'il est de marrante. Oh, oh, oh. Celui-là ne s'attend point du tout. On a quel qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarante. Dis plutôt qu'il est de marrante. Oh, voilà qui se décline. Marrante, de marrante, amarrante. Je ne sais si, sur votre sujet, depuis que je vous ai connu, si, sur votre sujet, j'ai l'esprit prévenu. Mais j'admire partout vos vers et votre prose. Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose, à notre tour aussi, nous pourrions admirer. Oh, je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer en ami. 8 chapitres du plan de notre académie. Platon s'est au sujet simplement arrêté quand de sa république il a fait le traité. Mais à l'effet entier, je veux pousser l'idée que j'ai sur le papier en prose accommodée. Car enfin, je me sens en étrange dépit du tort que l'on fait du côté de l'esprit. Et je veux nous venger toutes, tant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes. C'est faire à notre sexe une autre grande offense que de n'épandre les forces de notre intelligence. Qu'à juger d'une jupe, ou de l'air d'un manteau, ou des beautés d'un coin, ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Je m'attache par l'ordre au péripatétisme. Pour les abstractions, j'aime le platonisme. Épicure me plaît, et ses dogmes sont forts. Je m'accommode assez pour moi de petit corps. Mais le vide à souffrir me semble difficile. Et je goûte bien mieux à la matière subtile. Descartes, Paul Lélan, d'un fort à mon sens.
J'aime ce tourbillon. Moi, c'est mon tombant. On en attend beaucoup de vos vives clartés. Et pour vous, la nature a peu d'obscurité. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une. Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai pas encore vu d'hommes. Comme je crois, mais j'ai vu des clochers tout comme je vous vois. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravie, c'est le retranchement de ces syllabes sales qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales. Voilà certainement d'admirables projets. Vous verrez nos statues quand ils seront tous faits. Il ne saurait manquer des tout beaux et sages. Nous serons, par nos lois, les juges des ouvrages. Par nos lois, pros et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit, hors nous. Et nos amis, nous chercherons partout à trouver à redire, et ne verrons que nous, qui sachent bien écrire. Madame, des femmes sont là qui ne peuvent pas les vues. Elles sont vêtues de noir et parlent longtemps doux. Ah, ce sont des amies savantes qui m'ont fait tant d'instances de leur donner l'honneur de votre connaissance. Pour les faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs, au moins de notre esprit. Hola! Je vous ai dit en parole bien claire que j'ai besoin de vous. Mais faut bien s'y faire. Venez, on va donc vous les faire savoir. Oh. Voici les femmes qui meurent du désir de vous voir. En vous les produisant, je ne crains pas le blâme d'avoir admis chez vous des profanes, madame. Ils peuvent tenir leur coin parmi des beaux esprits. La main qui les présente. On dit assez le prix. Elles ont des vieux auteurs, la pleine intelligence et savent du grec, madame. Autant que femme de France. Du grec, au ciel du grec. Un sort du grec. Ah, ma nièce! Du grec, nous ça. Quoi? Mesdames, ça du grec. Ah, permettez, mesdames, que pour l'amour du grec, on vous embrasse. Excusez-moi, mesdames, je n'entends pas le grec. J'ai, pour les livres grecs, un merveilleux récit. Nous craignons d'être fâcheux par l'auteur qui nous engage à vous rendre aujourd'hui. Madame, mon hommage. Et nous aurions pu troubler quelques doctes entretiens. Avec du grec, on ne peut gâter rien. De leur verre fatigant, metteur en fatigable. Il n'y a rien de plus sot, à mon sens, qu'un auteur qui va partout gueuser de son sens, qui les premières venues saisissant les oreilles. En fait, le plus souvent, les martyrs de ces veilles. On ne m'a jamais vu ce fort entêtement, et d'un grec là-dessus, je suis le sentiment. Qui par un dogme exprès de fond à tous ces sages, l'indignant pressément de lire leurs ouvrages. Vos vers ont des beautés qui n'ont point tous les autres. Les grâces venues seraient dans tous les vôtres. Vous avez le temps libre et le bon choix des mots. On voit partout chez vous, l'idée, c'est le pathos.
nous avons vu de vous des éclogues d'un style qui passent en deux attraits, Théocrite et Virgile. Pose haut. Galant et doux, ce qui laisse votre race bien loin d'après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes? Peut-on voir rien de galant sonnet que vous faites? Rien qui soit si charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigaux. Vos balades surtout est admirable. Et dans mes bourrines, je vous trouve adorable. Si la France pouvait connaître votre prix. Si le siècle rendait justice aux beaux esprits. En carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait le public vous dresser des statues. C'est une balade et je veux que tu... Est-ce que vous avez, vous, certains petits sonnets sur la fièvre qui tue la princesse Uranie? Oui, hier, il me fut rue dans une compagnie. Vous en savez, l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'en point de flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessous, je n'en suis point de tout. Et d'une telle sonnée, peu de gens sont capables. Mais préserve le ciel d'en faire des semblables. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleurs. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Moi. Il faut qu'en écoutant j'ai eu l'air distrait, bien que le lecteur m'a gâté le sonnet. Mais le sens se discours et voyant ma balade. La balade, à mon goût, est une chose fade. C'est écrit à la mode. Elle sent son vieux temps. La balade porte un charme beaucoup déjà. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Et n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Oh, elle apporte des pédants, des merveilles à part. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez seulement vos qualités aux autres. Force impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit Crémant, barbeillé de papier. Allez, rumeur de bal, vos propres de métier. Allez, très bien écrit, impudent, plagiaire. Allez, quiz. Eh, hey, mesdames, que prétendez-vous faire? Allez, restituez tous les honteurs larcins qui réclament sur vous les Grecs et les Latins. Bah, va ton père à mon honorable au Parnasse. T'as pas payé ta TVA, c'est trop violace. Ah, souviens-toi de ton livre et son peu de bruit. Et toi, dis ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire établi. En vain, vous la déchirez. Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Je t'y renvoie aussi. J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne, en passant une attente légère, parmi plusieurs auteurs qu'on parlait en revers. Mais jamais dans ces vers, il te laisse en paix. Et l'on t'y voit partout être au but à ses traits. C'est par là que je tiens en rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Et croire que c'est assez d'un coup pour t'accabler. Il n'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part comme une noble adversaire, sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups contre moi, redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quelle femme je puis être. Et la mienne sera vous faire voir vos maîtres.
je te défie en verbe, prose, grec et latin. Eh bien, nous nous verrons à la salle chez Blackwell's. Allez! À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je défends, madame. Parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre soin de moi qui n'est pas nécessaire. Les docteurs trentiens ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément. Et dans tout ce qu'on dit, il faut se tromper nulle part. À voix de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai point en tête. Et je me trouve fort bien malade d'être bête. J'aime mieux n'avoir que de commandes propos que de meurtre monde, il peut dire de beaux mots. Oui, mais je suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir d'un sang qui paraît une honte. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer en vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances. Et la pensée, enfin, de mes voeux en souscrit, d'attacher à vous une femme plein d'esprit. Et cette femme est madame, que je vous détermine à voir comme l'épouse que mon choix vous destine. Moi, ma mère. Oui, vous. Faites la sotte un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu. Pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est un hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire, madame, en me ravissant et cet hymen dans mon âme. Tu vois, madame, il n'est pas fait encore. Ne veux pas si patron. Comme vous répondez, savez-vous bien que si. Suffit! Vous m'entendez? Elle se rendra sage, allons. Laissons-la faire. Doit briller pour vous les soins de notre mère. Et son choix ne pourrait être une plus illustre épouse. Si le choix est si beau que ne le prenez vu, c'est à vous, non à moi, que sa main est donnée. Je veux le statut, comme à ma sœur aînée. Si l'hymen, comme à vous, me paraissait charmant, j'accepterai votre offre avec ravissement. Et si j'avais comme vu l'épée dans ton tête, je pourrais les trouver en partie fort honnête. Pendant bien que ici nos goûts soient différents, il faut obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain par votre résistance. Alors, ma fille, il faut approuver mon dessein. Ôtez ce gant et touchez à madame, dans vos mains, et considérez désormais dans votre âme, en femme, dangereux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont finis. Il lui fait obéir ma sœur à nos parents et un père à ce neveu une entière puissance. Une mère à sa part à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord et c'est une autre épouse. Entendez-vous, père Honnel, allez philosopher tout le saoul avec elle et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée et l'avertissez bien qu'elle ne vienne plus m'échauffer les oreilles. Alors, vite. Fort bien. Vous faites des merveilles. Quel transport. Quelle joie. À quoi serez-vous? Oh. Alors, prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Oh, les douces caresses. Mon cœur simule à toute cette tendresse. Cela ragaillardit tout à fait mes vieux jours. Et je me rassouviens de mes jeunes amours. Oh. D'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien au roi de qui les deux.
Les droits de la raison soumettent tous ses vœux. Et qui doit gouverner? Ou sa mère? Ou son père? Ou l'esprit? Ou le corps? La forme? Ou la matière? Vous en devez bien au moins un compliment. Je trouvais Clémentine bien faite et j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, elle m'a déplu toujours. Elle sait que, Dieu merci, je me mêle d'écrire. Et jamais, elle ne m'a prié de rien lui lire. Je ne souffrirais point si je n'étais que de vous. Que jamais Doriette, elle peut être l'épouse. Petite sotte. Et 20 fois, comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de fou qu'elle n'a point trouvé beau. La brutale. Et 20 fois, comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de fou qu'elle n'a pas trouvé beau. La pertinente. Souvent, nous en étions aux prises. Et vous ne croiriez point de combien de sottises. Hey, doucement de grâce. Un peu de charité, madame. Tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Et quelle est mon offense? Armez contre moi toute votre éloquence. Dites, d'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madame en soit jugée équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les hommes qu'il faut perdre fortune ou renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale. Et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité, ce que m'a de votre âme ordonné la fierté. Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose. Et si je vous offense, est selon les causes. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur, et l'a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Tous mes feux, tous mes foins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix de l'autre. Voyez, est-ce madame ou ma faute ou la vôtre? Mon cœur court que l'on change si vous l'y poussez. Est-ce moi qui vous quitte ou vous qui me chassez? Il n'est plus temps, madame. Une autre a pris ma place. Et par un tel retour, j'aurai mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvée de toutes vos fiertés. Mais enfin, madame. Comptez-vous sur mon suffrage quand vous vous promettez ça d'autre mariage et dans vos visions, savez-vous s'il vous plaît que j'ai pour Henriette une autre épouse toute prête. Et madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moi d'ignominie et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir la rivale de madame Trissotine. Elle en est et plusieurs que pour le bel esprit, le mauvais goût du siècle su mettre en crédit. Mais madame Trissotine n'a pu duper personne, et chacun rend justice aux écrits qu'elle nous donne. Si vous jugez d'elle tout autrement que nous, c'est que nous la voyons par d'autres yeux que vous. J'ai bien vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en demain, madame, échappé. Ben, un monde près de nous a passé tout au long. Échouffe au travers de notre tourbillon. Et si il eût en chemin rencontré notre terre, elle aurait-il brisé en morceaux comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Madame n'y trouverait ni rime ni raison. Elle fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame, et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes, mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savante, comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose.
Et c'est mon sentiment qu'on fait comme mon propos. La science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Et si les raisons manquaient, je suis sûre qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne conclurait guère. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru, jusqu'ici, que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts, et non pas la science. Vous avez cru fort mal, et je vous suis garante qu'un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Le sentiment commun est contre Maxime, puisque ignorant et sot sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et sot. Oh, la sottise dans l'une se fait voir toute pierre. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. La savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un fat devient impertinent. Il faut que l'ignorance a pour vous des grandes charmes, puisque pour elle aussi vous prenez toutes les âmes. Pour moi, l'ignorance a des charmes bien grands. C'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certaines savantes. C'est certaines savantes-là peuvent aller connaître, valoir certains gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on se reporte ces certaines savantes. Mais on n'en convient pas chez ces certaines gens. Il me semble, madame. Et madame, de grâce. Madame est assez forte, sans qu'à l'aide en passe. Je n'ai déjà que trop d'une si rude assaillante, et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Et le pourcent est grave de chaque répartie. Autre seconde, je quitte la partie. On souffre aux entretiens, ces sortes de combats. Pourvu qu'à la personne. On ne s'attaque pas. Et mon Dieu, tout cela n'a rien dont elle s'offrande. Elle entend raillerie autant que femme de France. Et de bien d'autres traits assez scientifiques sans que jamais de sa gloire ait fait que se moquer. Je ne m'étends pas au combat que je suis devoir prendre à madame la thèse qu'elle appuie. Elle est fort enfoncée dans l'accord. C'est tout dit. L'accord, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance. Et c'est en courtisant qu'elle en prend la défense. Ce que je vois, madame, c'est que pour la science, Radius et Baldus font honneur à la France et que tout leur mérite exposé fort aux gens n'attire point les yeux et les dents de la cour. Ces gens de leur savoir paraissent toujours ivres. Riche pour tout mérite, on babille important, inhabile à tout et vide de sens commun, plein d'un ridicule et d'une impertinence, à décrire partout l'esprit et la science. Votre chaleur est grande. Cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui, dans votre âme, excite. Qu'important que soit ce qu'on veut que je lise, apprenez, mes amis. C'est une sottise de te venir jeter au travers d'un discours. Trissotine s'est vantée, madame, qu'elle épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses et que vous ferez bien de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre elle. En laissant cette peinture où je prétends vous la dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle, où vous verrez noter en marge tous les endroits qu'elle a pillés.
cet hymen que je me suis promis, un mérite taqué de beaucoup d'ennemis. Ce déchaînement aujourd'hui me convie à faire une action qui confonde l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait de ce qu'elle veut rompre aura pressé l'effet. Dès ce soir, à madame, je marierai ma fille. Armand, prenez soin d'envoyer notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et madame, que voilà, sera prendre le soin. Courir, lui porter bientôt cette nouvelle et rendre son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir et si je la saurais réduire à son devoir. J'ai grand regret, madame, de voir qu'à vous viser, les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadée. Et que de votre appui, je serai secondée. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Ce service est sûr de ma reconnaissance. Malheureuse. Madame, votre femme a rejeté mes voeux et son cœur prévenu veut trissotine pour Belfort. Oh, mais quelle fantaisie a-t-elle tant pris contre? Pourquoi diantre vouloir cette madame trissotine? C'est par l'honneur qu'elle a de rimer en latin qu'elle a sur sa rivale emporté l'avantage. Et elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Oh. Et dès ce soir, je veux, pour la conspirer, vous marier, vous deux. Vous dressez le contrat à l'envoi au notaire. Et je vais le guérir aux choses qu'il doit faire. Et madame doit être ensuite par sa sœur de l'hymen où l'on veut qu'elle prête son cœur. Et moi, je lui commande avec pleine puissance de préparer cette main à cette autre alliance. Ah, je leur ferai voir. Si vous donnez la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Allons, nous allons revenir. Songez à nous attendre. Allons, mon frère, nous allons au palais sombre. Hélas. Dans cette humeur qu'une seule est toujours. Je ferai toutes choses à servir vos amours. Quel secours puissant compromettre ma femme. Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez-vous assurer de lui? Je ne puis qu'être heureuse quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud offre-t-on nos contraintes? Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout faire pour ne pas le plus dire. Et le mépris du bien et des grandes frivoles ne doit point éclater dans vos seules paroles. Voilà ce qui me charme en vous. Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux. Votre grâce et votre air sont les biens, les richesses. Qui voulant attirer mes voeux et toutes mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureuse. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour de quoi me confondre. Et j'ai regret, madame, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime autant que vous ne seriez estimé, mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un que vous le savez, à de nos oreillettes. Et
Je sens que de mien, Clémentine s'est fait mettre. Je sais qu'elle a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchanceté pour le choix d'une épouse, que par son beau talent, vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort, mais je n'y puis que faire. Et tout ce que ce moi peut le raisonnement, c'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement. Le don de votre main, où l'on me fait prétendre, me livre à ce cœur qui possède Clémentine. Non, c'est très mieux vu, mon âme est attachée. Et ne peut de soin de madame être touchée. Avec vous, librement, j'ose ici m'expliquer. Et mon aveu n'a rien qui vous doit choquer. Cette amoureuse ardeur qui, dont les cœurs s'excitent, n'est point, comme l'on sait, un effet du mérite. Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plaît, souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait madame par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie à mon aveuglement, et ne vous servez point de cette violence que vous en veut faire à mon obéissance. Les moyens que ce cœur puisse vous contenter, imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter. De ne vous point aimer, peut-il être capable, au moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes paroles. Madame, laissons-la se galer, matière. Vous avez tant d'iris, de filles d'amourantes, que partout dans vos veines vous peignez si charmantes, et pour qui vous jurez tant d'amoureuses odeurs. C'est mon esprit qui parle. Ce n'est pas mon cœur. D'elle, on ne me voit amoureuse qu'en poète. Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette. Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence, qui ne fait pas bien ce aveu de trancher net, d'épouser une fille en dépit qu'elle en est, et qu'elle peut aller en se voyant contrainte à des ressentiments que plus tard, on doit craindre. Nous allons voir bientôt comment on ira la faire. Et l'on a la dedans, fait venir les notaires. Ma fille, je viens de vous voir. Voulez-vous en faire votre devoir et soumettre vos voeux aux volontés d'affaires? Je veux apprendre à vivre votre mère. Et pour mieux la braver, voici, malgré ses dents, Martine que j'amène. Et rétablissez. Vos résolutions sont dignes du louange. Gardez que cet humain, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez et ne vous laissez point suédire à vos bontés. Ne vous relâchez pas et faites bien en sorte d'empêcher que ce vœu m'amène à la porte. Bah, comment? Vous prenez-vous ici pour un bonnet? Non, professeur, de suis-je un fat, s'il vous plaît? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable de faire un sentiment d'un homme raisonnable? Non, mon père. Est-ce donc à l'âge où je me vois, je n'aurais pas l'esprit d'être maître chez moi? Si fait. Et que j'aurais cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme? Non, mon père. Bah oui, qu'est-ce donc que ceci? Je vous trouve plaisant de me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté, c'est en pour être en tout suivi. Fort bien, mon père. Aucun, au moins dans la maison, n'a droit de commenter. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Eh oui. Le ciel m'en donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire? Et pour prendre une épouse, je vous ferai mieux voir que c'est à votre père qu'il faut obéir et non pas à votre mère. Hélas, vous flattez la plus de mes voeux. Voyez être obéie, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voici qui conduit les notaires avec elle. Oh, ce convenu est bien chose. Ouais. Laissez-moi. J'aurai soin de vous encourager si l'on a besoin. Vous me souhaitez changer votre style sauvage, vous faire un contrat qui soit dans le bon langage? Notre style est très bon et je serais un seul, madame, de vouloir échanger un seul mot. Ah! Quelle barbarie au milieu de la France! Mais au moins, en faveur, monsieur de la science, veuillez, au lieu d'écus, de livres et de francs, nous exprimer la dot en mines et talents, et datée par les modides et de calandes. Si, je l'ai, madame. Accolez-vous-moi. Je me fais un défi et vous me compagnez. Cette barbarie en vain dont nous plaignons. Alors, madame, prenez la table pour... Ah! Ah! Impudente encore se produire! Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi? Tantôt avec plaisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant d'autres choses à conclure. Vous vous en prendra. Ou donc la future? Celle que je marie et la cadette. Bon. Oui, là voilà, monsieur. Henriette est son nom.
fort bien, et sa fissure. L'épouse que je lui donne est madame. Et celle qu'en propre personne, je vais tenter l'épouse et madame. Allons, deux épouses. Deux épouses? Mais c'est trop la coutume. Où vous arrêtez-vous? Mettez madame Trissotine pour ma belle-fille. Pour ma belle-fille, mettez madame Clémentine. Mettez-vous donc d'accord dans le jugement mûr. Voyez à convenir entre vous des futurs. Suivez le choix. Je m'arrête. Oh non, faites les choses à ma tête. Dites-moi donc, à qui nous enverrons des durs? Vous combattez les choses que je veux? Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Vraiment, à votre bien, on songe bien ici. Et cela pour un sage, un fort digne souci. Oh, enfin, pour sa femme, j'ai fait choix de Clémentine. Et moi, pour son épouse, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi, c'est à voir résolu. Vous le prenez là d'un temps bien absolu. Il me semble raisonnable de vouloir pour sa fille une femme convenable. Oui. Par quelle raison je n'ai bien fait qu'elle ait lui refusé Clémentine? Et pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler une savante qui sans cesse épilogue? Il lui faut une femme, pas une pédagogue. Et ne voulant savoir le grec ni le latin, donc elle n'a pas besoin de madame Trissotine. Fort bien. Il faut souffrir qu'elle jeune à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Et prendre mon conjoint, moi, mille fois j'ai dit, je ne voudrais jamais prendre un homme. Aux femmes, d'esprit. L'esprit n'est proie de tout ce qu'ils font au ménage. Et les livres cadent mal avec le mariage. Et je veux, si engagement froid, un conjoint qui n'ait point d'autre livre que moi. Qui ne sache A, ne B, n'en déplaise à madame. Et ne soit en mot docteur que pour ça. Est-ce fait? Et sans trouble, laissez écouter votre digne interprète. Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et madame seront jointes de ce pas. Je l'ai dit, je le veux. Ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clémentine est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez et donnez-vous votre consentement. Et mon père? Et monsieur? On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire. Mais nous établissons un espèce d'amour qui doit être épuré comme l'astre du jour. La substance qui pense y peut être reçue, mais nous en bannissons! Bannissons la substance étendue. J'ai le regret d'interrompre un mystère joyeux par le chagrin que j'apporte dans ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles. L'une pour vous me vient de votre procureur. L'autre pour vous me vient de Lyon. Quel malheur, digne de troubler, pourra-t-on nous écrire? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié monsieur votre frère de vous porter cette lettre qui vous dira ce que je n'ai osé vous aller dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu? Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites paraître une âme moins commune à braver comme moi les traits de la fortune. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus. Et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné.
cour. Condamné ! Ah, ce mot est choquant ! Il n'est fait que pour les criminels ! Il a tort, en effet. Il devait avoir dit que vous êtes prié, par arrêt de la cour, de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépenses qu'il faut ! Non, voyons l'autre. Monsieur, l'amitié que me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argan et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont fait tous deux banqueroute. Oh ciel, tout à la fois, ils perdent ainsi tout mon bien. Ah, quel honteux transport! Fi, tout cela n'est rien. Il n'est pour le vrai sage. Aucun revers funeste et perdant toute chose. À soi-même, il se reste. Achemin à traffer, quittez votre ennui. Son bien peut nous suffire, et pour nous, et pour elle. Non, madame, cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cet immeuble, tout le monde est contraire. Et mon dessein n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps. Elle suit de bien près, madame, notre disgrâce. De tant de résistance. À la fin, je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras et ne veux point d'un cœur qui ne se tend pas. Je vois de vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez et je regarde pas comment vous le prendrez, mais je ne suis point femme à souffrir l'infamie des refoulements en pensant qu'il faut qu'ici je suis. Et je veux bien que de moi l'on fasse plus des cas et j'y baisse les mains à qui ne me veut pas. Elle a bien découvert son âme mercenaire. Et que peu philosophe est-ce qu'elle vient de faire? Je ne me vante point de l'être. Mais enfin, je m'attache, madame, à tout votre destin. Et j'ose vous offrir avec que ma personne ce que l'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, madame, par ce très généreux. Et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde, Henriette, à l'ardeur empressée. Non, ma mère, j'ai changé de présente pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi? Vous vous opposez à ma félicité? Et lorsque mon amour, je vois chacun se rendre... Je sais le peu de bien que vous avez, Clémentine. Et je vous ai toujours souhaité pour épouse. Lorsqu'en satisfaisant n'avait plus les deux, mes voeux de tout, j'ai vu comment il mène ajuster vos affaires. Mais lorsque nous avons les destins si contraires, je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin avec vous me peut être agréable. Tout destin sans vous me serait insupportable. L'amour dans son transport va toujours ainsi. Des retours importants, évitons le souci. Rien n'use tombe l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheuses besoins de les choses de la vie. Et l'on en vient souvent à ce qu'il s'excuse étudeur de tous les noirs chagrins qui suivent d'un tel feu. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymen de Clémentine? Sans cela, vous verrez tout mon pays et je n'appuie sa main pour la trop chérie. Laissez-vous donc lier par les chaînes si belles. Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, pour détromper ma sœur et lui faire connaître ce que sa philosophe a laissé couler. Oh, le ciel en soit loué. J'en ai la joie au cœur par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voir le châtiment de sa basse avarice. Voir qu'avec éclat, cet hymen s'accomplit. Je le savais bien, moi, que vous le défonceriez. Ainsi donc, alors veut-vous me sacrifier? Ce ne sera pas en vous que je leur sacrifie. Et vous avez l'appui de la philosophie pour avoir dans les contents couronner leur ardeur. Alors, madame et monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je le dis. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non.
dans son cœur. Par un prompt désespoir, souvent se marie, quand s'en répond après tout le temps de sa vie. Turbulent week. We're very happy that everything went so well, and we hope you enjoyed it as much as we did.